Alors on va parler du chapitre le plus long du livre, Jeannette, qui s'appelle. Et on va parler de votre histoire avec Charles. C'est très compliqué de vous interroger sur ça. On est forcément, les personnes qui vous posent des questions sont forcément dans quelque chose d'abord de respect de votre vie privée, de respect de la vie privée de quelqu'un qui est mort et qui est mort récemment. Donc c'est compliqué, mais comme vous l'écrivez, je vais vous poser des questions dessus. C'est vrai que vous nous avez beaucoup émus, Jeannette Bougrabe, quand on vous a vu chez Rutel Krief sur BFM TV, en larmes, pleurer votre compagnon. Et je crois que tous les gens qui ont vu ce moment-là, choqués par déjà tout ce qui s'était passé, ont été émus. Le problème, c'est que le lendemain, il y a eu ce communiqué de la famille de Charb. Nous démentons formellement l'engagement relationnel de Charb avec Jeannette Bougrabe. La famille ne veut plus que Jeannette Bougrabe s'exprime au sujet de Charb dans les médias, de quelque manière que ce soit. Nous demandons de respecter le deuil de la famille. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est retrouvés tous, je pense, dans une position où on se disait « Oh là là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» Moi, je vous crois, humblement, je crois que vous avez eu une histoire avec Charb et je n'ai pas besoin de ces photos-là pour vous croire, je vous l'avais dit et je vous crois. Mais la question n'est pas si vous avez eu ou pas une histoire avec Charb, la question c'est la médiatisation que vous en avez fait tout de suite après les événements. Pourquoi avez-vous eu besoin, Jeannette Bougrabe, d'aller deux ou trois jours après les attentats? Laissez-moi juste terminer, je vous donne non, la parole. Je pas pourquoi vous est-ce, pourquoi est-ce que vous avez eu besoin d'aller chez Rutel Krief à ce moment-là? Est-ce que c'était pour rendre public cette histoire-là? Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin, Jeannette Bougrabe, de montrer ces photos de lui et de vous, et surtout de votre fille, de montrer le visage de votre fille aux yeux du monde, qui est une petite fille? Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de les montrer? Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin d'appeler vos amis pour leur dire « témoignez, dites que c'était vrai ». Pourquoi vous avez fait ça? Alors, si vous avez lu le livre, je ne suis pas allée voir Rutel Krief, on m'a demandé de le faire. Donc ça, c'est pas... Et c'est Richard Malka, parce que depuis deux jours, en fait, ils n'en pouvaient plus, et il m'a demandé de le faire. Moi, je suis un soldat, voilà. On s'est rencontrés sur des combats avec Charb, on s'est rencontrés sur, en fait, l'affaire... nos combats pour la laïcité. Il n'y avait aucune probabilité, sincèrement, la probabilité que je tombe amoureuse de quelqu'un de Charlie Hebdo était quasiment nulle, voire totalement impossible. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez que mon histoire familiale m'a structurée et m'a fait en fait plein de paradoxes, de choses, et l'histoire des Harkis est pour moi structurante. Charlie Hebdo, une des rares fois où ils ont été condamnés, c'est pour les propos de ciné. Pour injure faite aux Harkis. Donc ça, pour moi, ça devait être rédhibitoire. On s'est rencontrés. Moi, comme je vous l'ai dit, on peut me reprocher plein de choses, mais quand il y a eu 20 morts à Islamabad, j'ai pas déserté. Quand il y a eu 80 morts dans un hôpital à Sanaa, j'y suis allée, il n'y avait personne. Quand il y a eu des morts, quand on a fait des... J'étais à Kakuma, au nord du Kenya, et qu'on a arrêté Al-Shabaab, des leaders qui... J'ai pas... Quand on me demande de continuer le combat pour celui que je viens de perdre, je suis la première à prendre les armes, sans la moindre hésitation. Qu'ensuite, j'ai fait en gros deux télés, c'est-à-dire Rutel Krief, et ensuite on m'a demandé de faire TF1. Ensuite, on m'a demandé de me taire. La première télé, c'est le Grand Journal, aux côtés du docteur Pelou, d'ailleurs. Oui, ça, c'était une faute de ma part. Parce que je vous ai vu l'un et l'autre côte à côte à ce moment-là. Oui, mais en fait, c'était... Ça, c'est la seule chose que je ne regrette pas, et je continuerai à le dire, c'est que de toute façon, je continuais le combat qui l'a amené à la mort. Et donc voilà, après, moi, je pars, donc je quitte la France, je pars avec ma fille sous le bras, il a fait partie de ma vie, il a été exceptionnel parce que moi qui me sentais pas bien d'avoir un homme à un moment dans ma vie vis-à-vis de ma mère, il a joué ce rôle-là. Tout le monde avait, et moi j'étais là pour continuer le combat. Et je vais vous dire, je vais le continuer d'autant plus, parce que j'ose continuer à parler du prophète, ce que je fais, ce qui effectivement inquiète un peu, mais ne me faites pas le reproche d'avoir aimé quelqu'un, d'avoir dit de l'avoir aimé, alors que tout nous séparait, que j'ai pu voir... Attendez vous une seconde. Vous avez entendu que je vous faisais ce reproche-là? Non, Léa, juste... J'ai jamais fait état de ma vie privée. J'ai commencé en disant non, mais, je vous crois. Je n'ai jamais... Même quand j'étais en couple, on a eu tous les deux, on était comme... Enfin, moi, je vais avoir 42 ans, lui, il avait 47 ans.
On avait vécu chacun deux histoires, lui 13 ans, moi 13 ans. On ne se sentait pas l'obligation de rendre des comptes sur notre vie. Il avait une fatwa, on l'a gardée pour nous. Et que je me sois effondrée parce que j'ai perdu quelqu'un qui est mort avec des balles de Kalachnikov, qui est une arme de guerre, qui aurait pu supporter le choc? Je me le demande. Moi, je n'ai pas pu faire mon deuil. Moi, on m'a tout de suite... Moi, j'ai pas... Les gens le savent. C'est-à-dire que le matin, j'étais à la morgue avec sa famille. L'après-midi, j'y suis à nouveau. Et ensuite, sans le savoir, j'ai un communiqué AFP qui arrive. Qui aurait supporté ça? Je vous le demande. Comment vous expliquez la réaction de la famille de Charles, des amis de Charles? Je ne l'explique pas. Je ne me l'explique toujours pas. Elle ne m'a pas permis de faire mon deuil. Je suis toujours meurtrie. Et je me dis que de toute façon, on ne se construit pas dans la colère. Voilà. Moi, mon père m'a appris une chose. Il a beau avoir été trahi par la France, il a gardé cet amour de la France. Il a continué son chemin. Je vais continuer mon chemin. Je ne vais pas m'interroger pour savoir pourquoi ils ont fait ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et parce que quand on est une femme comme moi, moi, je vais enterrer ma mère dans quelques jours. J'ai ma fille, j'ai mes combats, j'ai une histoire que beaucoup n'ont pas pu avoir, parce que c'est un amour inconditionnel, parce que, quelles que soient nos opinions politiques, on s'est aimé. Il m'a peut-être trompé, il avait peut-être une autre vie, je n'en sais rien, mais ça ne regarde que lui et moi. Le chapitre est clos, pour moi, c'est ça. Vous aviez besoin de l'écrire dans ce livre-là? J'avais besoin, parce que je rappelle que j'ai quand même été contrainte de dire ça. Je vais m'éviter de répéter les injures auxquelles j'ai eu droit. Et vous voyez que je vous les sors pas. Non, non, mais je vous en remercie. Mais c'est-à-dire que moi, qui, la seule fois de ma vie où je parle de ma vie privée, et comprenez le choc, et ma fille, en tout cas, je l'avais déjà montré dans mon documentaire, ainsi que ma mère, parce que c'était ces trois générations de femmes, et que j'en souffre encore, je suis... meurtrie, je pense que c'est une blessure qui ne va pas cicatriser. Je ne suis toujours pas allée sur sa tombe et je ne pourrai jamais y aller. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je m'en sens incapable de le faire. Voilà. Incapable. Et s'il m'a trompée, s'il avait une autre vie, ça ne regarde que lui et moi. Je l'aimais pour ce qu'il était, dans son entier, même s'il était communiste, même s'il avait des trucs bizarres, même s'il portait des pantalons bizarres, des pulls bizarres avec des rayures, des trucs Saint-James, qu'il était... Bon, voilà, et c'était... Je l'aimais comme il était. Je n'ai pas cherché à le changer, je l'aimais pour ce qu'il était. Il m'aimait pour ce que je suis, mon caractère sanguin, ma volonté systématiquement de vouloir changer le monde, d'être capable de mettre à sac le Quai d'Orsay pour continuer mes combats. Et c'est ça qu'il aimait chez moi. Et j'ai été une privilégiée de l'avoir rencontré, voilà.